campagne de vulgarisation du discours du président de la République Mohamedou Abdelaziz devant les populations de Niéma se poursuit dans la wilaya de Nouakchott Sud. Les délégations mixtes qui renferment les membres du gouvernement et des leaders politiques du parti Union pour la République UPR sillonnent les moukhatas de la capitale pour expliquer et commenter les différents axes de ce discours historique. Les ministres et les leaders de l'UPR qui animent les meetings monstres organisés dans le cadre de cette campagne s'accordent à dire que le discours de Niéma constitue un tournant décisif dans l'histoire du pays. Au vu du projet politique proposé par le président de la République, projet relatif à un dialogue national inclusif qui sera organisé bientôt, en vue de renouveler la classe politique, d'associer les forces vives et d'enraciner notre expérience démocratique. Les intervenants ont appelé les citoyens à suivre la raison et à privilégier l'intérêt supérieur national sur l'intérêt individuel, exhortant les populations à adopter ce discours et à œuvrer pour concrétiser ces objectifs afin de réaliser un avenir meilleur marqué par la justice, l'égalité et la cohésion sociale. Ces délégations mixtes rassemblent les membres du Conseil national de l'UPR, des fédéraux, des parlementaires, des leaders des instances de base, des membres de la commission exécutive du parti, ainsi que des femmes, des jeunes et des acteurs politiques de l'UPR.